still place a god do. I know niggas no dog, sell dog food. No my game on point, no hard food. No these niggas set a fry, so I told them get. Yo, c'est le FMFC2, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur T-Pain, featuring Tory Lanez, Get Your World On. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait une réaction sur cette vidéo? Alors d'ailleurs, juste, je voulais préciser un truc. Il y a des gens qui me disent que je fais très rarement des musiques américaines, des réactions sur des clips américains, pardon. Et alors en fait, c'est pour une raison toute simple, c'est que... Je vous donne un exemple, on va dire que j'ai, je sais pas, je fais une réaction sur un clip américain, j'ai 5000 vues, par exemple. J'ai 5000 vues sur cette vidéo-là. Si vous tapez T-Pain, etc., par exemple, vous tapez le titre de la vidéo réaction, même si j'ai 5000 vues, je passerai en dessous, au niveau de ce que vous allez voir comme, comme vidéo, je vais être en dessous de tous les Américains qui auront 2000 vues. Parce qu'en fait, YouTube a un script qui fait que, au niveau des vues, si toi, ta vidéo, elle a été mise en ligne, côté, par exemple, en l'occurrence français, tu passeras devant tous les Américains, par exemple, qui auront fait une vidéo sur... On va dire, on fait tous une vidéo, genre, sur M. Pokora, par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai dit... Merde! Bref, vous avez compris... franchement, je vais même pas continuer là-dessus, vous avez compris. En gros, si je fais des vidéos et que vous, vous cherchez, par exemple... Ceux qui sont sur ma chaîne, vous allez voir la vidéo, parce que forcément, vous êtes abonnés, tout ça, tout ça. Vous avez activé la cloche, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, le souci, c'est que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous me découvrez par rapport à ça, eh ben, il y a deux solutions. Non, même pas, il y a une solution, je pense que vous avez lutté à me trouver. Parce que clairement, je passerai... Si vous tapez juste T-Pain, Tory Lanez, etc., je vais passer en dessous de tous les Américains qui ont fait une vidéo sur, qui ont fait une réaction sur cette vidéo, en fait. Et là, il y a le souci. Du coup, Tory Lanez, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, c'est un des meilleurs mecs en rap en ce moment. En ce moment, c'est un des meilleurs mecs en rap. Provocateur, quand même, mais il est très bon en rap. T-Pain, bon bah T-Pain, on le présente plus, hein, T-Pain. Alors, je vais peut-être vous apprendre un truc dans ce cas-là sur T-Pain, pour ceux qui le connaissent quand même depuis un moment. C'est le mec qui a inventé le logiciel d'autotune. Voilà, c'est ce mec-là. Donc, bah clairement, tout le monde doit de l'argent à T-Pain aujourd'hui, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, par contre, T-Pain, il y a un truc que j'aimerais dire sur lui. J'ai l'impression qu'il fait des clips uniquement pour se faire plaisir maintenant. Parce que clairement, on va pas se mentir, il y en a qui font des clips pour avoir de l'argent. Et lui, c'est plus son cas. C'était sûrement son cas quand il avait commencé. Mais là, c'est plus son cas. Là, maintenant, il fait des clips pour se faire plaisir. Parce que forcément, je pense qu'il a bien d'autres revenus maintenant, hein, entre les sponsors, etc. Donc, ouais. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, de toute façon, vous allez voir, c'est du T-Pain. Hein. Les clips, c'est gros clips à l'américaine, grosse voiture et tout ça. Donc. Je m'inquiète pas, je pense que ça va être un bon truc. Let's go! Hey, I know you waiting on me, baby, can you hold on? To make sure when I get that you ain't got clothes on. Ouais, c'est la musique que t'écoutes un peu tranquille, quoi. You got me and I got you, now I can go wrong. And you keep telling now your friends about me. And now they wanna get it in on the balcony. We going all night, girl, I'm talking so long. I got that wake up by you, baby. C'est étonnant, c'est qu'on voit même pas Tory Lanez en fait, on le voit pas du tout dans le clip. Normalement vous le voyez un peu sur... Normalement on voit le l'artiste qui est en featuring en fond. Et même pas, on le voit pas du tout là. Ça fait assez bizarre. Ah, putain, enfin T-Pain et qui est Mr. Drift, et qui est Mr. Jordan. T-Pain, il commence à être seul là.
L'écran, il est trop grand pour lui. Hein. Genre là, il donne à fond, il s'ambiance, mais il est tout seul. Tony Lane, ça aurait dû être en fond avec lui dès le début, en fait. Might even fuck at the show. I got too nasty with your gun, now you can't fuck her no more. I know you waiting on me, baby, can you hold on? To make sure when I get there, you ain't got clothes on. Alors d'ailleurs, je me suis trompé, Tory Lanez, c'est pas du rap, c'est du R&B. Edgar Estevez. Il est bon ce mec-là, en tout cas, en direction clip. Ouais, bah écoutez, c'est franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En fait, T-Pain, le problème, c'est qu'on voit jamais faire de clip. Donc le peu de fois où il fait un clip, t'as l'impression que le mec change à chaque fois. Tu vois avec des cheveux courts, prochain clip, tu vois avec des tresses. Avec des locks, pardon. Il y a une différence, pour ceux qui connaissent. Franchement, je sais pas quoi dire sur ce mec-là, il me tue. En vrai, il me tue. Et non, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, ça reste un bon son. En fait, y a rien à dire dessus, c'est un son de T-Pain à l'américaine, quoi. C'est un bon son, c'est un bon son. Juste le petit bémol, comme j'ai dit, c'est... Autant quand Tory Lanez chantait, t'avais T-Pain en fond, mais quand T-Pain chantait, Tory Lanez, il était pas là. Et genre, pourquoi? Après, oui, on va dire, c'est sur... Allez, on va dire c'était une raison de calendrier, Tory Lanez pouvait pas être là, donc T-Pain l'a fait tout seul. Sauf que t'es pas obligé de faire ça, mec. Deux personnes connues comme ça, vous vous arrangez, vous faites ça. T'envoies pas des clips comme ça pour envoyer des clips dans la rue. C'est inacceptable! Et je me fatigue tout seul. Stello Stars, prenez soin de vous. J'aime bien T-Pain. J'aime bien T-Pain. Tchuss.